Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Et aujourd'hui on va voir ce que pensent les Parisiens concernant le retrait du masque obligatoire dans une vidéo du Parisien intitulée On est un peu paumé. Ouais, je pense pas trop m'avancer en disant que ces deux dernières années nous sommes tous quelque peu paumés. Allez, on démarre. Eh non, tu t'es fait avoir comme un bleu. Tant de naïveté. Une fois de plus, si tu viens aimer cette vidéo ou non, pense à la liker. Mais ne t'inquiète pas, je te rassure, tu n'auras pas à le faire par hypocrisie car tout ce que je fais est génial. Pense également à la partager, ce qui m'aiderait davantage, à t'abonner et activer cette petite cloche de merde qui ne sert à rien, mais comme tu le sais, ça me fait plaisir. C'est parti, on y va. Qu'est-ce que vous savez là de l'obligation du port du masque en extérieur? Que c'est autorisé dans les rues de Paris à partir d'aujourd'hui, de ne pas le porter. Bonjour monsieur. Bonjour. Êtes-vous au courant que le port du masque n'est plus obligatoire dans Paris? Pour moi, c'est une erreur. Ça peut faire toute la différence. Après, je compte sur la responsabilité de la majeure partie de la population afin de continuer de porter, oui. Par contre, attention, monsieur, parce que votre masque n'est pas correctement placé. Comment ça? D'accord, mais alors, juste une question qui me vient à l'esprit. Est-il tout simplement en train de porter son masque? Ou quelqu'un l'a-t-il bâillonné et s'apprête à le séquestrer? Non, parce que là, ça porte à confusion tout de même, hein. Oui, enfin le Parisien, calmez-vous tout de même. Parce que son abrogation ne fait pas l'unanimité, n'exagérons rien non plus. Effectivement, 100% des Parisiens ne sont pas forcément pour l'abrogation. Mais en le précisant de la sorte, on a tout de même l'impression que vous tentez de nous faire croire qu'une bonne partie de la population parisienne est pour le port du masque dans la rue. Et ça c'est personnel, mais je n'y crois absolument pas. D'un, parce qu'une bonne partie de la population française sait que le port du masque dans la rue ne sert strictement à rien. Des études auraient même prouvé qu'il y avait à peine 5% de chances de transmettre le Covid à l'air libre. Et puis même avant l'abrogation, hein, il suffisait de voir le nombre de personnes dans la rue qui ne portaient pas son masque ou qu'il avait sous le menton, pour vite comprendre que ça faisait chier tout le monde. Et puis même ici dans le 92, où c'est toujours obligatoire, je peux te dire qu'une personne sur 5 à peine porte son masque. Mais c'est bien tenté, il y en aura toujours quelques-uns qui tomberont dans le panneau, et ça vous le savez, hein. Filou, un canaille, là. Vous en pensez quoi, ça? Ça dépend des endroits, j'espère que ce sera respecté par ailleurs dans les centres commerciaux. Mais de tout cœur, j'espère que les gens continueront au moins de les porter dans les centres commerciaux et les magasins de manière générale. Faire preuve un peu de civisme. C'est pas comme ça qu'on le met non plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bien comprendre que ce n'est agréable pour personne. Et ce sont des efforts individuels qui Non, par contre, le masque est toujours pas bien mis, monsieur. Bon, ça commence à bien faire maintenant, hein. Non, mais monsieur, je me permets d'insister vraiment, parce qu'il faut pas le manger, le masque, monsieur. Et là, tu me feras pas croire que les journalistes du Parisien ne sont pas allés spécialement vers lui de par la manière dont il porte son masque. Qu'ils juraient sur la tête de leurs enfants ou de leurs parents que j'y ne croirais pas. Et après, ce qui va être drôle, c'est si ce genre de personne vient te donner des leçons sur les gestes barrières. Et commence pas à t'énerver, j'ai pas dit que lui c'était le cas. C'est une hypothèse. Un peu comme Castex et Macron. Oui, à ce stade-là, on peut dire qu'ils urinent dans nos bouches, oui. Et qu'en plus de ça, on doit faire des gargarismes avec. Malheureusement, je trouve que c'est une mauvaise idée. Par principe de précaution, mieux vaut de le garder. Bah, il y a toujours des masochistes, hein. Surtout quand on sait que les trois quarts des gens portent des masques chirurgicaux et que quand t'achètes une boîte, il est écrit dessus « Ne protège pas du Covid-19 ». Alors, principe de précaution, j'entends, mais encore faut-il mettre en place des gestes réellement utiles. C'est seulement en mettant en application les gestes barrières que nous pourrons mettre fin à la pandémie. J'insiste, monsieur, mais c'est pas comme ça qu'on le met, hein, le masque. Mon Dieu, bah alors filez-moi un mode d'emploi, merde. Eh bien, c'est tout pour moi. Oui, c'est déjà fini. Non, bah, je vais pas te mentir, j'avais juste envie de troller l'autre avec. Un hot dog là dans la bouche. N'oublie pas de liker cette vidéo car tout ce que je fais est génial. Essaye de suivre s'il te plaît. Pense à la partager, ce qui m'aiderait davantage, à t'abonner, activer cette petite cloche de merde qui ne sert à rien, à me faire un don pourquoi pas, ça me ferait très plaisir. Je te dis à la semaine prochaine et je te fais de gros bisous. Ciao. Cette maladie est à prendre très au sérieux et le port du masque est un moyen de la contrer. Ouais, non, c'est toujours pas comme ça. Oh merde, il commence à faire chier celui-là. Tu sais ce que... Tiens, regarde ce que j'ai dit à ton masque. Merde, là, commence à m'emmerder là. Voilà, ton masque merde là, il est bien mis là ton masque. We'll be right back.